Donc si tu penses que McDonald's fait de l'argent avec des frites et des burgers, sache que c'est absolument faux. Comment est-ce que McDonald's génère de l'argent? C'est tout simplement grâce à l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils achètent des terrains, ils vont prendre ensuite des franchisés qui vont louer leur terrain et leur verser des loyers. Donc McDonald's ne gagne très peu d'argent qu'avec les frites et les sandwichs. Le plus gros de leurs revenus, c'est grâce à l'immobilier. Donc imagine si demain matin, tous les restaurants sont fermés, qu'il n'y a plus de clients, etc. McDo va toujours continuer à percevoir des revenus. Pourquoi? Parce que leur business model est basé sur l'immobilier. Et c'est un peu la même chose pour toutes les grandes entreprises, même tous les consultants, les entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils sécurisent une partie de leurs revenus avec l'immobilier. Donc aujourd'hui, est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment est-ce que tu vas sécuriser tes revenus? Si tu es chef d'entreprise, si tu es consultant, si tu es travailleur autonome et qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent et que tu ne sécurises pas tes revenus, ça peut être très compliqué demain si tu n'as plus de clients, si tu as une perte de marché, s'il y a même telle ou telle règle qui met en difficulté ton activité, tu peux te retrouver dans une situation assez difficile. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est de penser à comment est-ce que tu vas pouvoir diversifier tes revenus, les sécuriser et démultiplier davantage ton capital avec l'investissement immobilier. Donc si cette vidéo t'a intéressé, ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement la liker, la partager et de poser tes questions juste en bas dans les commentaires. À très bientôt. Ciao.